À la Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc., puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc., puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Et donc, on va essayer de faire. Je pensais faire Bodhicitta maintenant, mais après avoir été dans les deux groupes de discussion, je me suis dit qu'il y avait des questions importantes qui sont survenues. Et donc, on peut continuer avec la vacuité. Haut de partie. Elle est partie. Et Teshila par le 10. Et Aude aussi par le 10. Le 10 ou le 11? Le 9. Après demain. Et donc on va faire les questions qui ont été soulevées et donc les questions qui ont été posées pendant la discussion. Oui. Quand on fait la méditation sur les six éléments, on voit les six éléments, et on se demande où est le soi, le jeu, et on se dit il n'est pas là. Comment est-ce qu'on est sûr d'avoir le bon objet de négation et qu'on n'est pas dans le nihilisme? Donc, dans les deux cas, dans les deux groupes, cette question, elles sont reliées. Qui observe cela? Qui voit ceci? Et donc, comment est-ce qu'on est sûr que ce n'est pas le nihilisme? C'est une question sérieuse. Pour cela, le sutra du cœur, on parle des deux analyses. Quelles sont les deux analyses? Quelles sont les deux analyses?
conventionnelle et analyse ultime. Donc l'analyse conventionnelle, groupe A, groupe B. Donc pour faire les choses plus faciles maintenant, on va aller dans les technicités, l'analyse conventionnelle et l'analyse ultime. Deux analyses. Comment est-ce qu'on fait la démarcation entre le nihilisme et la vacuité? D'emblée, comment est-ce qu'on fait la démarcation entre le nihilisme et la vacuité? C'est une première question. Ensuite, le numéro 2. Et donc, quand vous voyez que le jeu est vide, qui est en train d'observer que le jeu est vide? Et donc, il devrait y avoir un jeu. Qui connaît cela? Et donc, on dit le vide. Le jeu est vide, et puis et d'un autre côté, il y a un jeu qui observe cela. C'est une bonne question. Et puis, par rapport à la non-dualité, quand vous êtes sur la voie de vision, et votre esprit est la vacuité qui est l'objet, votre esprit c'est le sujet, et ils sont mêlés de manière non-duelle, comme de l'eau dans de l'eau, versée dans de l'eau, on ne peut pas les distinguer. Et donc c'est ce qui l'advient. Et le jeu se dissout, on est dans la vacuité. Donc tout ça, ce sont vraiment les bonnes questions, je suis très heureux. Et donc d'abord, distinguer. On va dire, quand on a dit que le jeu peut être trouvé par une analyse ultime ou une analyse conventionnelle? Uniquement par l'analyse conventionnelle. Les deux vérités. La vérité conventionnelle et la vérité ultime. Donc, qu'est-ce qui est trouvé par l'analyse ultime? Ce qui est trouvé par l'analyse conventionnelle, c'est une vérité conventionnelle. Ce qui est trouvé par l'analyse ultime, c'est une vérité ultime. Et c'est ce qu'on devrait connaître. Et parce que le jeu est conventionnel ou une vérité conventionnelle ou une vérité ultime. C'est une vérité conventionnelle. Il doit être trouvé par une vérité conventionnelle. Vous comprenez? Très bien. Quand vous allez dans cette analyse, d'abord, qu'est-ce qu'on entend par une analyse conventionnelle? Qu'est-ce qu'on entend par une analyse ultime? C'est la frontière où l'analyse devient ultime et quand est-ce qu'elle devient conventionnelle? Par exemple, Où est Mike? Il est là? Il est là-bas? Mike est là-bas. Et maintenant, j'ai vu que c'était Mike. Après avoir vu Mike, cette façon de chercher. Où est Mike? Je cherche Mike. Je suis en train de faire une investigation. Je cherche Mike. Où est Mike? Il est là-bas. Vous comprenez? Cette analyse, c'est accepté comme une analyse qui est acceptée par le monde conventionnel. Et vous avez compris? Qu'est-ce que j'ai dit? Où est Mike? Et donc vous êtes, il est là. Cette analyse, je suis en train de chercher Mike. Où est Mike? J'analyse Mike. Je recherche Mike. Cette analyse, est-ce que c'est considéré comme étant une analyse compréhensible du point de vue du monde conventionnel? Hein? Oui ou non? Oui. Donc c'est connu comme étant? Quand vous analysez quelque chose que le monde conventionnel ordinaire accepte, c'est OK, c'est acceptable, c'est connu comme étant une analyse conventionnelle. Maintenant, vous allez au-delà de cela. Et vous cherchez où est Dieu. Et Kunkela dit, mais il est juste en face de vous. Ok, très bien, on est content qu'il soit là. Il est là. Et après m'avoir trouvé, vous allez demander, mais où êtes-vous? Et où êtes-vous? Est-ce que vos oreilles sont d'Odjé? Est-ce que votre corps est d'Odjé? Est-ce que votre esprit est d'Odjé?
cette analyse, est-ce que c'est acceptable du point de vue du point de vue conventionnel, ordinaire? Non, dès l'instant où vous demandez ça, le monde conventionnel va dire vous êtes fou. Vous comprenez? Cette analyse ne sera pas acceptée comme étant une analyse appropriée en allant plus profondément que la frontière. Vous demandez d'agir, ok, très bien, vous l'avez trouvé. Vous dites, il est là, très bien, ça va. Si vous allez au-delà de cela, après l'avoir trouvé, si vous allez au-delà de ça pour trouver, pour chercher d'agir, vous allez au-delà de la conventionnalité. Dès l'instant où vous allez au-delà de la conventionnalité, vous allez chercher l'ultime, vous comprenez? Et donc, ça devient une analyse ultime. Dès l'instant où vous cherchez d'agir, et que vous allez au-delà de la frontière de la conventionnalité, vous allez au-delà de la frontière de la conventionnalité, et donc vous allez chercher pour quelque chose qui est ultime, et donc votre analyse devient une analyse ultime. C'est une analyse du je, du soi, ou de la personne, qui traverse la frontière de la conventionnalité, et cette analyse devient une analyse ultime. Et donc, sans l'analyse ultime, par l'analyse ultime, vous ne trouverez jamais de vérité conventionnelle. Disons, la question c'est... Qu'est-ce que le nihilisme? Et qu'est-ce que la vacuité? N'est-ce pas? Cet esprit, dans ce continuum de conscience, vous pouvez voir qu'il y a des analyses conventionnelles, des analyses ultimes dans votre esprit. Quand vous vous demandez où est Dolce, vous le cherchez partout, dans ma chambre, dehors, dans la cuisine, etc. C'est quoi cette analyse? C'est une analyse ultime ou une analyse conventionnelle? C'est une analyse conventionnelle. Après, vous me trouvez là. Et vous continuez de poser la question, où est Dieu, où est Dieu? Dans mes poumons, dans mon esprit, etc. Est-ce que cette analyse, c'est quoi? C'est une analyse ultime. Avec cette analyse, vous ne trouverez jamais dans Dieu. Qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver la vacuité de Dieu. Vous comprenez? Avec l'analyse ultime, vous n'allez trouver que la vacuité de Dieu, vous ne trouverez jamais d'objet. D'objet ne peut être trouvé qu'au travers de la convention, de l'analyse conventionnelle, ne l'oubliez pas. L'autre question, c'est comment est-ce qu'on distingue le nihilisme et la vacuité? Avec cette analyse, vous dites, d'objet n'est pas là, ça c'est la vacuité, je l'ai dit. Et donc, avec cela, vous allez dire, Dojo n'est pas là, et donc vous allez dire, le Dojo nihiliste et le Dojo de la vacuité n'est pas là. Je sais que Thomas il a donné une bonne question. Et donc juste écoutez, comment est-ce que vous distinguez le Dojo n'est pas là, qui répond à la vacuité, et le Dojo qui n'est pas là, qui est le nihilisme? Comment est-ce que vous allez distinguer les deux? Vous comprenez? Si vous dites « Dodger n'est pas là », par l'analyse conventionnelle, c'est le nihilisme. Si vous dites « Dodger n'est pas là » au travers de l'analyse ultime, ce n'est pas le nihilisme, c'est la vacuité. Vous comprenez? Si vous dites que « Dodger n'est pas là », le « je n'est pas là », par au travers de l'analyse conventionnelle, c'est le nihilisme. Qui veut dire que conventionnellement, Dorje n'est pas là, c'est ce que vous dites. Mais Dorje, non, il n'est pas là du tout. Si vous dites ça, c'est du nihilisme. Parce que vous êtes en train de me soumettre du point de vue de l'analyse conventionnelle, et après avoir retrouvé, vous dites, mais il est là. Et lequel? C'est qui? C'est son corps, son esprit, sa peau, etc. Vous ne le trouvez pas. Et ça, quand vous allez dans cette analyse, quelle est la mesure selon laquelle vous êtes dans l'analyse ultime? C'est une analyse qui va traverser la frontière de la conventionnalité. La conventionnalité, c'est l'analyse qui va traverser la frontière de la conventionnalité. C'est l'analyse ultime. Et là, vous ne pouvez pas trouver Dolce. Vous avez trouvé l'absence de Dolce. Ça, c'est la vacuité.
Vous comprenez? Ok. Now with this. Now with this, what is very important is. Et donc, ce, avec cela, ce qui est très important. Avec l'analyse conventionnelle, vous voyez que Dodge n'est pas là. Ça, c'est le nihilisme. Quelle est la différence entre le nihilisme et la vacuité? La vacuité, vous rejetez Dodge au sens ultime. Le nihilisme, vous rejetez Dodge au sens conventionnel. Vous comprenez? Pour le nihilisme, vous rejetez Dodge au sens conventionnel. Ça, c'est le nihilisme, parce que Dodge existe conventionnellement. Il existe de manière conventionnelle, et vous dites qu'il n'existe pas de manière conventionnelle. Et donc ça, c'est le nihilisme. Et si on dit que Dodge n'existe pas de manière ultime, vous réfutez l'existence de Dodge de manière ultime, c'est vrai, c'est la vacuité, puisqu'il n'existe pas de manière ultime. Mais vous devez l'affirmer de manière conventionnelle. Maintenant, une autre différence entre le nihilisme et la vacuité, c'est que, avec le nihilisme, avec le nihilisme, rien n'est là. Rien n'est là. Ultimement, il n'y a rien. Conventionnellement, il n'y a rien non plus. C'est ça. Ça veut dire que vous rejetez la causalité, la relation causale. Vous rejetez les causes et les effets. Alors que, du point de vue de la vacuité, du concept de la vacuité, bien que vous rejetiez les causes et les effets au sens ultime, vous devez accepter la cause et les effets du point de vue du niveau conventionnel. Les causes et les effets opèrent, fonctionnent. Ils opèrent. La vacuité, le concept de la vacuité est là, et les causes et les effets fonctionnent conventionnellement, pas ultimement, mais conventionnellement. Avec le nihilisme, la loi de cause et des effets, ça veut dire qu'on réfuterait la loi causale du point de vue conventionnel. C'est ça le nihilisme. Maintenant, un autre point qu'il faut garder à l'esprit, c'est que quand on... Et donc, il n'y a rien qui existe de manière ultime. Et donc, comment les choses existent? Comment les choses existent-elles? Si rien n'existe de manière ultime, comment est-ce que les choses existent? Conventionnellement, elles existent. Conventionnellement, ça veut dire... Par le pouvoir de l'esprit, vous comprenez? Conventionnel, ça veut dire par le pouvoir de l'esprit. Si vous dites tout existe par le pouvoir de l'esprit... Conventionnellement, ça veut dire tout est comme une imagination. Vous comprenez? Tout devient comme une imagination. Encore, comment est-ce que vous distinguez entre les choses existent de manière conventionnelle et les choses existent de manière comme une imagination? Comment est-ce que vous distinguez les autres, les deux? Quand vous discutez, c'est comment est-ce qu'on peut distinguer la vacuité et le nihilisme? Vous comprenez? Maintenant, j'en apporte un autre. Comment distinguer entre les choses existent conventionnellement et les choses existent en tant qu'imagination? Comment est-ce qu'on distingue les deux? Si quand on dit les choses existent de manière conventionnelle, il n'y a rien de côté de l'objet, cela vient de l'esprit. Et ensuite, d'un autre côté, on parle des choses comme étant de pures imaginations. Comment est-ce qu'on distingue les deux? Quelque chose qui existe par le pouvoir de l'esprit et en tant que ça, de pure imagination, les deux ne sont pas la même chose. Les deux ne sont pas la même chose. Et donc, l'imagination, dans l'imagination, la cause et les effets ne fonctionnent pas. La cause et les effets, vous pouvez imaginer par exemple, vous mangez de la nourriture et vous avez faim. Vous pouvez prendre une fleur, et elle devient du chocolat. N'est-ce pas? Si cela arrive, c'est l'imagination. Alors que dans la vraie vie, ça n'en arrivera jamais. Ce qui est connu comme étant les existants conventionnels, l'existence conventionnelle, la cause et les effets fonctionnent, la relation causale existe. Alors que dans l'imagination, la pure imagination, la cause et les effets ne fonctionnent pas. Elles sont fautives. C'est comment on peut les distinguer. Maintenant, par rapport à cela, ce qu'on a dit, tout est comme un rêve. Vous vous souvenez? On a dit tout est semblable au rêve, c'est ce que le Bouddha a dit. Tous les matins, on dit, on récite cela, cette strophe. Tous les phénomènes composés doivent être vus comme une étoile, comme une hallucination.
C'est like a star, like a magic illusion. 15B, 15B, 15B. Yeah. 15B. Ok, page 15. Page 15B. Page 15. A star. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Et alors, quand on explique ce que, par rapport à la vacuité, ça c'est plus précisément par rapport à l'impermanence et certains, surtout par rapport à la vacuité. Et donc, tout est comme une illusion, comme un rêve. Et donc, c'est comme un rêve. Alors, en rêve, la causalité ne fonctionne pas. En rêve, la causalité, est-ce que ça fonctionne de manière précise ou c'est plutôt vague? Dans les rêves, la causalité n'est pas nécessaire, ne va pas. Parfois, oui, mais pas nécessairement. Mais si tout est comme un rêve, était un rêve, à ce moment-là, les causalités ne pourraient pas suivre, ne pourraient pas s'en suivre. Ça, c'est un débat. On n'a jamais dit que tout était un rêve. On a dit que tout est semblable au rêve. Tout est comme un rêve. C'est la différence entre être un rêve et être comme un rêve. Un rêve, d'une certaine manière, tout est une métaphore du rêve. C'est semblable au rêve. Pourquoi semblable au rêve? Parce que de la même façon qu'un esprit vient de mon esprit, tout le reste vient par le pouvoir de la projection de l'esprit. Et donc, de ce point de vue, ils sont similaires, mais il y a des différences aussi. La différence, c'est quoi? La différence, c'est que on ne dit pas que tout est un rêve, on dit que tout est comme un rêve, tout est semblable au rêve. Les rêves ne suivent pas la causalité, la relation causale, alors que dans la réalité semblable au rêve, la causalité doit être suivie. C'est la différence. Le nihilisme et la vacuité. La vacuité signifie les choses n'existent pas ultimement, au sens ultime. Le nihilisme, c'est dire les choses n'existent pas au sens conventionnel. C'est ça la différence. C'est compris? Très bien. Ensuite, la question arrive. Si on dit que le soi est vide, il disparaît, mais qui est en train d'observer? C'est votre question. Et donc, qui est en train d'observer? Ok. Let's say. Disons. Okay, now I'm meditating. Je médite. Vous allez me dire après, genre, je vais faire ma méditation, après je vais vous demander qu'est-ce que j'étais en train de faire. Vous allez me donner la réponse, n'est-ce pas? Okay. I'm thinking now. Donc, je vous dis, je vais méditer. Et donc, je ne vais pas vous dire ce que je suis en train de faire, c'est vous qui allez me dire, vous allez observer, et après je vais vous dire ce que j'ai fait. Je vais méditer sur la vacuité. D'abord, je vais aller dans le jeu qui est l'analyse conventionnelle, et après je vais aller franchir la frontière de l'analyse conventionnelle pour aller dans l'analyse ultime, et à un moment donné, je vais voir les six éléments et la vacuité de ces éléments. Et donc, je vais rester dans la vacuité de ces éléments. Et c'est ça que je vais faire. Maintenant, vous allez m'observer. Dites-moi. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Dites-moi. Hey, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Essayez de me faire confiance, je vous ai dit. Ne dites pas des trucs drôles, etc. J'étais en train de méditer sur la vérité. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Vous avez médité. Qui était en train de méditer? Vous étiez en train de méditer. Et donc, par rapport à vous, vous avez vu Dolje méditer. Et par rapport à Dolje, Dolje a disparu. Ne l'oublie pas. Par rapport à vous, Dolje était là en train de méditer. Par rapport à moi, Dolje a disparu. Parce que j'ai utilisé l'analyse ultime par rapport à Dolje. Et vous étiez dans l'analyse conventionnelle de Dolje.
Vous comprenez? Par rapport à votre esprit, Dadje existe parce que vous utilisez l'analyse conventionnelle. Par rapport à mon esprit, Dadje n'existe pas parce que j'utilise l'analyse ultime. Je ne suis pas en train de dire que Dadje n'existe pas, je suis en train de dire que Dadje n'existe pas de manière objective. Mais mon esprit, mais dans mon esprit, Dadje a disparu. Pas parce que Dadje n'existe pas. Par rapport à vous, Dadje continue d'exister. Mais il n'existe pas par rapport à mon analyse, par rapport à moi. Mais, la réponse qui avait été donnée par Cécile, c'est que, imaginons, chacun dit tous gâté, gâté, et puis après, para gâté, para gâté. Qu'est-ce que veut dire para gâté? Donc il y a gâté, gâté, para gâté, para sam gâté, bodhisattva. 5. Parmi les 5, ce sont les 5 voies. Les 5 voies. Ceux qui sont nouveaux doivent comprendre cela. Ensuite, on aura le temps et on expérimentera un petit peu plus par rapport à cela. Voie d'accumulation, voie de préparation, voie de vision. Et voie de méditation et voie au-delà de l'apprentissage. Voie de vision. Voie de vision. Où vous voyez la vacuité directement. Et vous voyez la vacuité directement. Et la description qui est donnée, c'est que votre esprit et la vacuité sont totalement mergés, mêlés, comme de l'eau versée dans de l'eau. On ne peut pas les distinguer, on ne peut pas distinguer les deux. Vous ne pouvez pas distinguer les deux. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'il a? Où est le jeu? Le mix, le mélange, ça veut dire que le jeu n'est pas là. Et donc, le jeu disparaît. Et donc, beaucoup de gens pourraient finir dans la confusion, ne pourraient pas donner une bonne réponse à cette question. Je ne vais pas faire ça. Je n'ai pas atteint ce niveau, mais imaginons, gâté, gâté, para gâté, et vous m'observez. Donc, je vais aller de gâté, gâté, jusqu'au deuxième gâté, et jusqu'à para gâté, vous allez m'observer. Et donc, maintenant, je vais aller du gâté jusqu'au deuxième gâté. Et du second gâté, je vais aller jusqu'à Paragaté, et là je suis à Paragaté. Et par rapport à moi, Dodje, moi et la vacuité, les deux sont mêlés. Et l'esprit de Dodje et la vacuité sont mêlés. Si vous aviez une réalisation bien plus élevée que la mienne, vous pourriez que, avec ma forme corporelle, etc., vous verriez que je suis dans une profonde expérience de la vacuité non-duelle. Vous le verriez. Maintenant, je vous demande, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Vous avez perçu directement la vacuité, n'est-ce pas? Vous avez vu la vacuité directement. Et votre corps, etc., qui a changé, la forme, enfin la complexion, et même l'expérience, le visage, etc., et vous auriez vu ça. Mais mon esprit, il y avait peu d'expression visuelle, faciale. J'étais mêlé dans la vacuité, je me dissolvais dans la vacuité, mais de votre propre point de vue à vous, je n'étais pas dissous dans la vacuité. Vous comprenez? Le sutra du cœur dit la forme est vide, groupe A, groupe B. Ce que le groupe A, ce qui est vu comme étant la forme par le groupe A est vu par le groupe B comme étant la vacuité. Et donc, si vous voulez voir la vacuité, demandez au groupe B, pas au groupe A, l'analyse ultime. Et donc, quand on parle de la forme, ne demandez pas à l'analyse ultime du groupe B, demandez à l'analyse conventionnelle. De pour votre point de vue, Dodje est en train de passer de gâté à gâté jusqu'à paragâté, et là, il est en train de faire le paragâté. Et même moi, je ne vois pas ça, là. Je suis en train de percevoir directement la vacuité. Mais si je ne vois pas cela, quel est le point? Les bénéfices, c'est quoi? Le bénéfice, c'est que la vérité conventionnelle est la vérité ultime. Et c'est quoi? C'est quoi les bienfaits de méditer sur la vacuité? C'est quoi? C'est les bienfaits, c'est d'une vérité conventionnelle. Ça doit être vu par vous, par moi, les bienfaits les bienfaits en tant que vérité conventionnelle. C'est vous qui me percevez. Quand vous me percevez, vous me regardez, je ne peux pas distinguer. Je suis dissous dans la vacuité, je vais dans la profondeur dans la vacuité. Et donc, avec cette méditation, qu'est-ce que vous voyez?
Vous voyez, ah tiens, elle est en train d'aller profondément dans la méditation. Et là, elle perçoit directement la vacuité. Et il ne tape pas la gâtée. Et là, vous voyez ça. Moi, je ne vois pas. Votre analyse conventionnelle peut me décrire, mais mon esprit est dans l'analyse ultime. N'est-ce pas? Toutes ces descriptions sont faites du point de vue de l'analyse conventionnelle, pas du point de vue de l'analyse ultime. Et vous l'écrivez, qu'est-ce que vous voyez? Il est en train d'aller au Paragaté, il est en train de voir la vacuité directement, et donc son ignorance qui saisit un soi, elle est en train de se réduire, elle est terminée, elle va être tranchée à la racine, etc. Vous voyez ça? Et moi je vais plus loin, en profondeur, Paragaté, Parasamgaté. Et là, la saisie du soi qui était sans pourtant, et là qui va être tranchée à la racine, et vous pourriez voir ça, mais moi je ne vois pas ça. Vous comprenez? Parce que je ne suis pas dans l'analyse conventionnelle, je suis dans l'analyse ultime. Même si c'est là, c'est présent, c'est là. En fait, c'est là, mais c'est par rapport à votre esprit. Vous comprenez? Quand je sors de là, mon esprit à nouveau, qui sort de l'analyse ultime pour aller dans l'analyse conventionnelle. Mon esprit va... Et je sors de cette méditation, et mon esprit va passer de quoi? Elle va passer jusqu'à l'analyse conventionnelle. Elle va dire, ah tiens, j'avais un mauvais caractère, maintenant toute ma colère est partie, et je peux voir tout comme un rêve, comme une illusion, et je peux voir ça. Tout ça, ce sont des descriptions du point de vue de l'analyse conventionnelle. Vous comprenez? C'est la façon dont on fait la distinction. Et maintenant, si vous dites, quelqu'un vous dit, mais il voit la vacuité, son soi s'est dissous. Oui, en effet, mais du point de vue de danger, en effet. Mais qui est en train de méditer? Méditer est en train de méditer par rapport à vous. Vous voyez, danger méditer. Vous comprenez? Ce n'est pas que personne ne médite, bien sûr. Je continue d'exister. Il n'y a pas personne qui est en train de méditer. Il y a quelqu'un qui est en train de méditer. Mais vous devrez voir du point de vue conventionnel. Si vous êtes dans la forêt, et ce n'est pas parce que vous êtes dans la forêt que vous devriez vous voir vous comme étant dans la forêt, quelqu'un de l'extérieur, vous voir vous comme étant dans la forêt. Quand vous êtes dans la forêt, vous ne vous réalisez pas vous, nécessairement vous comme étant dans la forêt, vous voyez des arbres, mais quelqu'un de l'extérieur va vous voir vous comme étant dans la forêt. Et donc quand vous méditez sur la vacuité, vous êtes en train de méditer, ne vous inquiétez pas, vous êtes en train de méditer. Il y a un jeu, il y a bien quelqu'un qui est en train de méditer. Mais du point de vue de l'analyse ultime, on ne peut pas trouver le jeu ne peut pas être trouvé. Il n'est pas perçu, mais il est toujours là. Et comment est-ce qu'il est là? Il est du point de vue de l'analyse conventionnelle, n'est-ce pas? Si vous êtes capable de voir ces deux contextes, l'analyse conventionnelle et l'analyse ultime, là, tous ces problèmes sont résolus. Vous comprenez? I can't eliminate that so easily because you say it's not so simple for me to just say, well, the consciousness is obviously not the self because it's not so obvious for me. I think, for instance, if I was to replace the consciousness of me with the consciousness of someone else, the self would change. Okay, however, let's say. On va dire. Donc ta question c'est comment est-ce que je peux savoir que la conscience n'est pas le jeu, n'est-ce pas? C'est la question, très bien. C'est pour gagner du temps. Donc la conscience de Howard n'est pas le jeu. Pour cela, en effet, c'est un débat extrêmement immense. Depuis le temps d'Acharya Bhava Viveka, un très 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 grand érudit, Acharya Bhava Viveka, qui, du 6e siècle de notre ère, en ces temps-là, il y avait un immense débat par rapport au fait de savoir si la conscience était le soi. Donc ce matin, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le Madhyamaka, c'était divisé en deux. C'était quoi les deux? Prasangika Madhyamaka et Swatantrika Madhyamaka.
Très bien. Combien d'entre vous sont nouveaux par rapport à ce concept? Donc il faut le comprendre. Madhyamaka, la voie médiane, elle est distinguée en deux, le Prasangika Madhyamaka et le Svatantrika Madhyamaka. Et donc ça, il faut l'apprendre. Et Kunkyana, tu vas expliquer à ta maman. Et Zosanla, tu vas donner des informations à Mike. Et Tashila, tu vas donner des informations à Pamela. Et Patrick, tu vas donner cette information à Jeanne. Qui d'autre? Zosanla. Et Isabelle, on a Kunkyana. Donc voilà pour la maman et la sœur. Qui d'autre? Très bien. Et donc, il y a eu une distinction entre ces deux écoles. Qu'est-ce qui a fait que ces deux écoles soient distinguées? Qu'est-ce qui les a divisées? C'est que le Prasangika, on va les appeler l'école la plus subtile des deux, la plus élevée des deux, et le Svatantrika, elle est inférieure des deux. Les deux. C'est en fait pour nous, ça semble être assez facile pour nous pour l'instant, mais ce n'est pas si difficile de distinguer les deux. Ces deux, comment distinguer qui est qui, c'est si difficile. C'est une ligne de démarcation très fine. Donc ces deux, l'inférieur, c'est qui? C'est laquelle? Svatantrika Madhyamaka. Ces deux sont la voie médiane, sont le Madhyamaka. Mais, donc, parmi les quatre, les deux font partie de l'école la plus subtile, la plus élevée, le Madhyamaka. Et ces deux-là, cette école, Madhyamaka, est divisée en deux, Svatantrika, qui est inférieur. Et donc, un grand maître de cette école, c'est Acharya. Acharya, ça veut dire le maître. Un maître, Bhava Viveka. Bhava, B-H-A-V-A-V-I-V-E-K-A. Bhava Viveka. B-H-A-V-A-V-I-V-E-K-A. Bhava Viveka. Acharya Bhava Viveka. B-H-A-V-A-V-I-V-E-K-A. V-I-V-I-K-A. Bhava Viveka. Acharya Bhava Viveka. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit en tibétain dans ce texte? Ses propres mots. Il a dit, et donc c'est ce qu'il a expliqué, c'est le verset racine qui dit, il dit que c'est ce qu'il a dit en anglais, nous proposons la conscience comme étant le référent du je qui est désigné. Nous allons proposer la conscience comme étant le référent du je désigné. Parce que la conscience, c'est celle qui renaît. Et donc, c'est pourquoi c'est le je. Et donc, ça, c'est un raisonnement extrêmement puissant. Et c'est, donc je vais le dire à nouveau, nous proposons la conscience comme étant le référent, nous proposons la conscience et le référent, explicite. Nous proposons la conscience comme étant le référent explicite de la désignation « je » parce que la conscience, c'est ce qui renaît et donc c'est pourquoi c'est le « je ». Nous proposons la conscience comme étant le référent explicite de la désignation « je » parce que la conscience est ce qui renaît et c'est pourquoi c'est le « je ». Donc je vais expliquer ce que Acharya Bhava Viveka a expliqué. Ce qu'il a dit, c'est que nous acceptons tous, nous, tous les bouddhistes, mettons de côté comment on renaît, etc. Mais, du point de vue, on va dire que le jeu,
migre d'une existence à l'autre, erre d'une existence à l'autre. Le jeu bouge d'une existence à l'autre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand le jeu de cette existence meurt, et donc le corps est laissé. Et ce qui va rester, c'est la conscience, le continuum de la conscience. Et la conscience donc prend renaissance. Et donc ce qui finalement renaît, c'est la conscience et l'esprit. Et donc le jeu erre. Et donc il n'est pas d'autre jeu qui erre que la conscience elle-même. Et donc c'est pourquoi elle défend la position selon laquelle l'esprit est le jeu. C'est un raisonnement extrêmement puissant. C'est pourquoi la question, comment ? Et donc ce n'est pas une question facile. Et donc avec cela, pour cela, la vacuité de l'esprit. Aujourd'hui, on a parlé de la vacuité de l'esprit, du jeu. Maintenant, on va parler de la vacuité de l'esprit. Comment est-ce que l'esprit est comme une illusion? Et si l'on comprend cela, alors ce sera plus facile. L'esprit est comme une illusion, il n'y a rien à saisir comme étant l'esprit, et donc on pourra se dire en effet que la conscience n'est pas l'esprit, n'est pas le jeu. Pour cela, on va prendre dans ce cours, on va essayer de faire notre mieux pour couvrir cela, pour établir la vacuité de l'esprit. Et ça, c'est tellement utile, tellement important dans le contexte, de certaines manières que l'esprit, la conscience, combien d'entre vous ont été... Qui a traversé des périodes difficiles où vous n'étiez pas bien? Qui a passé des périodes difficiles? Et donc, combien d'entre vous ne savent pas ce que ça veut dire être dans un état dans le creux de la vague? On sait tout ce que ça veut dire être dans le creux de la vague. Et donc, cette sensation, même cette sensation de lourdeur, même cela aussi, c'est votre esprit. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est un état mental. Et donc, cette sensation, vous le sentez tellement solidifié, tellement objectif. Et surtout que vous êtes très triste, ou très mécontent, dépressif. Et donc, quel est le sentiment? C'est extrêmement corrosif. L'esprit tellement vous emmène vers le bas, vous ressentez cela. Et même cela, et c'est tellement perturbant, c'est insupportable. Ce sentiment. Pourquoi est-ce que vous le sentez insupportable? Pourquoi c'est insupportable? Parce que vous voyez ce sentiment, cette sensation, comme étant objectivement réel. Si vous savez comment méditer sur la vacuité de l'esprit, vous pouvez facilement méditer sur la vacuité de ces sentiments dépressifs. Vous pouvez méditer sur la vacuité de ces sensations douloureuses. Et donc, ce serait de base. Qui peut faire des... Je pourrais avoir une expérience douloureuse. Qui pourrait se dire, je pourrais avoir une expérience douloureuse? Et donc, à ce moment-là, je méditerai sur la vacuité de l'esprit. Qui va faire cela? Non seulement méditer, mais en plus, ressentir les effets. Si vous voulez ressentir les effets de cela, vous devez commencer aujourd'hui. N'attendez pas que cela arrive. N'est-ce pas? Vous devez commencer à méditer pendant que l'effet n'est pas encore ressenti. Ça, c'est très important. Vous devez continuer à méditer là-dessus. The self seems to be the mind. For me. Who said it? Qui a dit ça? Je n'ai pas dit que la conscience était le soi. We're trying to repudiate the self. Yeah. No, we don't repudiate the self. We repudiate. On a réfuté le jeu qui existerait de manière objective. On n'a pas réfuté le jeu.
Et donc ce n'est pas réfuter le je, c'est rejeter le je qui existerait de manière objective. Qu'est-ce qui est resté? C'est l'esprit qui analyse. C'est ce que je dis. C'est que pour cela, qui fait cette analyse par rapport à mon esprit? C'est l'esprit qui resterait. C'est une possibilité. Une autre, c'est que en général, l'esprit en général. Ou, il y a quelque chose qui est là, qui est en train de faire cet exercice de méditation. De retirer l'élément terre, l'élément eau, etc. Il y a bien quelqu'un qui est en train de dire cela. Il y a quelqu'un qui est en train de, cognitivement, qui est activement en train d'analyser cela. C'est l'esprit. Et donc cet esprit est là, c'est ce que tu dis. C'est ce que tu es en train de dire. Et donc il y a deux possibilités. L'esprit en général, l'esprit c'est le jeu, etc. Donc ça c'est une chose. Ou non, vous êtes en train de... Le jeu n'existe pas de manière objective parce que vous êtes en train d'écarter ce qui n'est pas le jeu. Et donc l'esprit est en train d'activement séparer les choses, de distinguer les choses. Et donc l'esprit serait le jeu. Ça, ce pourrait être une autre option. Ce serait une autre façon de percevoir les choses. Donc cet esprit qui fait cet exercice, qui analyse par rapport à vous, quand vous faites cela, vous ne voyez pas cet esprit en train de faire, c'est quelqu'un qui le voit. Quelqu'un d'autre est en train de voir, oh tiens, ton esprit est en train de faire activement cela. Tu comprends? Par rapport à moi, parce que je suis en train de faire une analyse ultime, cette analyse ultime ne cherche pas une convention, une vérité conventionnelle. Ça c'est vrai. Donc mon esprit est en train de faire une analyse ultime, n'est-ce pas? Et mon esprit fait une analyse ultime. Qui sait? Ce n'est pas mon esprit qui ne le sait pas. Une conscience conventionnelle le sait, que mon esprit est en train de faire une analyse ultime. Une conscience conventionnelle sait, c'est l'esprit de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui me dit, ah tiens, là tu es en train d'analyser. Tiens, ton esprit saute depuis l'analyse ultime jusqu'à l'analyse conventionnelle, du conventionnel jusqu'à l'ultime. L'analyse ultime ne peut pas être observée par une autre analyse ultime. L'esprit peut percevoir cela. L'analyse ultime ne peut pas. Une analyse ultime ne peut pas trouver l'esprit. L'esprit peut voir une analyse ultime. Et c'est l'esprit conventionnel qui peut voir ça. Pas ton esprit conventionnel, parce que dans ton cas, soit tu vas dans l'analyse ultime, soit tu vas dans l'analyse conventionnelle. Une fois, un. Tu ne peux pas avoir les deux en même temps, de manière simultanée, à ce moment-là. Soit tu fais une analyse conventionnelle, soit tu fais une analyse ultime. Imagine. Donc fais un calcul, 2 plus 2, quelle est la réponse? Quand tu dis 4, est-ce que tu médites sur la vacuité? Quand tu dis 4, avec ce sourire, avec la vacuité, vous ne souriez pas, c'est garanti. Ton esprit fonctionne, ta conscience mentale, pas tes consciences sensorielles. Mais cette analyse, elle est faite par la conscience mentale, pas par les consciences sensorielles. Les consciences sensorielles, les 5 consciences sensorielles, plus la conscience mentale, ça fait 6 consciences qui vont ensemble. Mais la conscience mentale, et c'est la seule une fois qui va... Il n'y en a qu'une à la fois. Et cette conscience mentale, elle est soit dans l'analyse conventionnelle, soit dans l'analyse ultime. Elle ne peut pas être divisée en deux en même temps. Une autre question. Is it
still we have the mental factor of investigation. Et donc j'ai déjà donné la réponse, ne t'inquiète pas, je vais encore donner la réponse parce que c'est une question importante et compliquée, tu comprends? Donc choisis, est-ce que tu veux être du côté du méditant ou, okay, donc tu vas être la et donc tu es sur le niveau Paragate. Et donc tu fais ta méditation, ne souris pas. Si tu souris, tu ne médites pas. Donc là, tu fais ta méditation et tu es sur la vacuité. Et pour toi, ton esprit, en tant que sujet et la vacuité, les deux deviennent non-duels. Tu ne peux pas les séparer. Du point de ton point de vue, mais nous, on t'observe. Regardez comme son esprit était tellement subtil, il est tellement subtil. On est en train de t'observer et on dit, tiens, oh, l'esprit de Cécile est tellement subtil et sa discrimination est extrêmement raffinée. Sa discrimination qui voit la vacuité, une vacuité extrêmement subtile directement. La vacuité et ta discrimination, nous, on voit les deux comme étant distincts, mais pour toi, il n'y a aucune distinction. J'ai dit oui, c'est là. C'est là parce que nous le voyons. Mais pour toi, manifeste ou pas manifeste, ce n'est pas la question. Ton esprit est totalement dans l'analyse ultime. Et donc, du point de vue de l'analyse ultime, tu ne peux jamais voir la vérité conventionnelle. La discrimination, c'est une vérité conventionnelle. Et donc, pour se dire, ah ouais, écoute, pour dire, ouais, waouh, ça prend du temps. Pour l'instant, ce que tu as, c'est que, oh, je n'ai pas d'autres questions. Mais tu n'es pas encore totalement convaincu. Mais ce n'est pas direct, ce n'est pas un aperçu direct. Même cet aperçu de la vacuité, qu'on appelle la vacuité, pourrait ne pas être la vacuité du tout, ça pourrait être une vacuité grossière. Quand on éternue, il n'y a pas la vacuité. Si tu as entendu ça, c'est totalement faux. Quand on éternue, ça n'a pas la vacuité, ne va pas espérer avoir la vacuité. J'ai dit la claire lumière objet, la claire lumière sujet. Quand on éternue, il y a un aperçu de la claire lumière sujet, mais avoir la claire lumière sujet, ça ne veut pas dire qu'elle perçoit la vacuité. Ça ne veut pas dire ça. On peut très bien méditer sur la claire lumière sujet, ça peut être extrêmement vivant, ça ne veut pas dire que vous allez percevoir la vacuité. Ça ne veut rien dire. Éternuer, ça ne veut pas dire la vacuité. Ne l'oubliez pas, n'allez pas mélanger les deux. C'est la claire lumière. À ce moment-là, il y a un moment extrêmement bref. Dans un aperçu, vous voyez. Là, c'est un moment très bref de la claire lumière qui s'active. La claire lumière qui s'active en nous, on n'est pas du tout conscient de ça. N'est-ce pas? On n'en est pas conscient. À chaque fois qu'on meurt, on expérimente la claire lumière. La claire lumière, elle est manifeste. La claire lumière sujet, je ne parle pas de la claire lumière objet. La claire lumière, ce n'est pas parce qu'on aurait la claire lumière sujet qu'on réaliserait la vacuité. Pour cela, vous avez besoin d'une pratique séparée. Sans pratique, même si vous manifestez la claire lumière, il n'y a aucune garantie que vous allez réaliser la vacuité. La vacuité doit être séparée séparément. Et la claire lumière sujet doit être activée de manière différente, séparée. Et donc là, vous avez besoin de ces deux pratiques et vous allez les mêler. Et si vous ne pratiquez pas la vacuité, ça ne va pas devenir automatique, même si vous avez manifesté la claire lumière sujet. Et donc avec l'entraînement, vous allez pratiquer, vous allez activer la claire lumière sujet. Et donc les gens qui vont dire oh là là, Bouddha, ça c'est tellement loin, c'est tellement loin. Et donc ce n'est pas parce qu'on a manifesté la claire lumière sujet qu'on est un Bouddha. Pas du tout, pas du tout. Même pas le tout début. Même pas le tout début, la première voie. La première voie, c'est gâté. Le premier gâté, c'est à trois niveaux.
au mieux, si vous avez bodhicitta, vous pouvez au mieux être sur la première partie de la voie d'accumulation. Si vous avez la vacuité, vous pouvez aller au-delà. Mais sinon, vous pourriez avoir, par exemple, la clair le meilleur sujet, vous n'auriez pas le deuxième gâté sur la deuxième voie. Vous ne pourriez pas aller sur la voie de préparation. Et donc, il y a des gens qui n'ont même pas du tout d'idée, d'indice de ce qui arrive. Et puis, après, ils vont mélanger les choses tellement facilement. Oh, la clé lumière est activée. Oh, on est à Bouddha. Non, ce n'est pas si facile. Gâté, bodhisattva, il y a tellement de voies entre ça. Et les êtres ordinaires... Ok. D'autres questions? Non, il n'y a pas de questions. Parce que tout à l'heure, j'ai pu comprendre que quand on regardait les différents agrégats, sans voir l'absence de jeu intrinsèque de manière objective, c'était encore l'analyse conventionnelle. Mmh. Et quand vous avez fait la différence, vous avez pris l'exemple, est-ce que le jeu dans la pièce, ou est-ce que quand on regarde les agrégats, on est déjà sur l'analyse ultime, donc je ne suis pas claire. Mmh. So, could you please explain a bit more the distinction between the two analyses, conventional and ultimate? Because previously we've seen that when we check for the self, we are looking for the self and we just see the elements. And at this time, when we say when we see the elements, and this is a conventional analysis. And then after, before. Then we've seen that if we are looking for someone in the room, then this is a conventional analysis. And then after, if we cross the border of this conventional analysis, then we go in the ultimate analysis. So. Anne-Sophie, on a fait des problèmes. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? c'est le temps de se finir. On a terminé aujourd'hui. Et donc, la question est tellement bien. Et donc, j'espérais que quelqu'un me pose la question et Anne-Sophie l'a posée. Et donc, comment y répondre, je ne sais pas. La question est, précédemment, ce que j'ai dit, c'est que... Et donc, on cherche pour le jeu. Donc, je médite. Donc, ça, c'est une analyse conventionnelle. Et après... Vous allez franchir la frontière de l'analyse et puis vous allez chercher le jeu et vous voyez les six éléments. Et au moment où vous voyez les six éléments, qu'est-ce qu'on a dit? C'était une analyse conventionnelle et pas une analyse ultime. Et maintenant, la question c'est où est Dorje? Quel est ce type d'analyse? C'est, est-ce qu'il est dans la cuisine? Est-ce qu'il est dans sa chambre? Est-ce qu'il est dans la gompa? Et quel est ce type d'analyse? D'analyse conventionnelle. Et après, une fois qu'on a vu d'Alger, et vous continuez d'analyser d'Alger. Et vous allez franchir la frontière de l'analyse conventionnelle, de conventionnalité, et là, vous arrivez à l'analyse ultime. Et donc, à ce moment-là, ça devient l'analyse ultime. Et puis, vous allez voir les six éléments, et cela devient l'analyse ultime. C'est ce que j'ai dit. Et donc, il semble qu'il y ait une contradiction ici. Et donc, quand vous voyez les six éléments, et donc ça, c'est ce que j'ai dit ce matin, c'était une analyse conventionnelle. Et après, j'ai dit que si on cherche Dorje et qu'on dit, OK, il est là, c'est une analyse conventionnelle. Et une fois qu'on a vu qu'elle était là, et on continue d'analyser plus profondément, cela devient une analyse ultime. Parce qu'on franchit la frontière des conventionnalités, et donc on tombe dans l'analyse ultime. Et donc, les six éléments, etc., ils semblent ne plus être des conventions, mais cela devient... Et donc, ce matin, j'ai dit que c'était une analyse conventionnelle, et maintenant, je dis que c'est une analyse ultime. Mais comment je peux résoudre ce problème si le temps est terminé? Et qui voudrait m'aider? Qui? La question est... Donc, ce matin... Donc, on a dit, où est Dorje? Il est dans la cuisine? Il est dans sa chambre? Ou est-ce qu'il est dans la compa? Donc, ça, c'est l'analyse conventionnelle. Maintenant, vous me voyez ici. Et vous dites, ah, mais il est là. Ah, je vois qu'il est là. Très bien. Ça, c'est l'analyse conventionnelle ultime ou conventionnelle? C'est l'analyse conventionnelle, toujours. Après ce moment-là, donc le monde conventionnel va l'accepter.
Ok, très bien. Maintenant, dès l'instant où vous posez la question, mais lequel Dodje? Est-ce que Dodje, c'est son cœur, son corps, etc. Et là, le monde conventionnel ne va pas l'accepter comme étant une convention. Et vous avez franchi la frontière de l'analyse des conventions ou des conventionnalités. Et donc, dès l'instant où vous franchissez la frontière des conventionnalités, vous tombez dans l'analyse ultime. Et donc, si c'est le cas, alors tout le reste devient une analyse ultime. Les six éléments, etc., cela devient une analyse ultime. Et ce matin, j'ai dit que dès l'instant où vous voyez les six éléments, c'est une analyse conventionnelle. Et maintenant, je dis que les six éléments, hop, tout cela tombe dans la catégorie de franchir la frontière des conventionnalités, cela tombe dans l'analyse ultime. Et donc, est-ce que c'est l'analyse ultime ou l'analyse conventionnelle? C'est la question. Est-ce qu'on est d'accord avec la question d'Anne-Sophie ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord avec moi, vous devez donner une réponse. Tashila, donnez une réponse. Once you get the emptiness of the tension, then the ultimate analysis, you can only see the atoms. Okay. Yes. So what I'm looking for is emptiness of the tension. So emptiness of the tension is the ultimate truth, and the atom is the conventional truth. Donc, la conscience qui voit l'emptiness de Tashi, c'est l'analyse ultime, et l'esprit qui voit les atomes de Tashi, c'est une analyse conventionnelle. Ça va? Je sais qu'elle n'a pas eu sa réponse. La question est, elle n'est pas contente avec la réponse. Ce que j'ai dit, c'est que ce matin, ce que tu as dit, ce qu'a dit Tashila, c'est ce que j'ai dit ce matin. Et maintenant, je suis en train de dire quelque chose de différent. Anne-Sophie dit, et donc ce que je dis, le moment où vous me voyez ici, après m'avoir vu là, vous m'avez vu. Et donc ça, c'est l'analyse ultime ou l'analyse conventionnelle? C'est l'analyse conventionnelle. Et après m'avoir vu, vous continuez de me chercher où est Dodje? Le corps, les six éléments, etc. Et donc, vous avez franchi la frontière des conventionnalités. Et donc, dès l'instant où vous franchissez la frontière des conventionnalités, votre analyse devient une analyse ultime. Et donc, quand elle devient une analyse ultime, et donc, vous voyez les six éléments qui sont là, qui ne sont pas Dodje, est-ce qu'ils sont Dodje ou pas. Et donc, les six éléments, et donc, cela tombe sous... après avoir franchi la frontière des conventionnalités. Et donc, c'est après avoir franchi la frontière des conventionnalités. Et donc, tout ce qui arrive, ça tombe dans la catégorie de l'analyse ultime. Et donc, les six éléments qui ne sont pas dangereux, cela devrait être dans l'analyse ultime. C'est ce que je viens de dire là. Et ce matin, j'ai dit non, ce n'est pas assez l'analyse conventionnelle. Comment est-ce qu'on peut réconcilier les deux? Virginie? Donne une bonne réponse, Virginie, sinon Thomas va avoir une migraine. So in the two cases, in the two cases, we crossed the border of the conventional analysis. This morning, we stopped when we arrived at the six elements, and we stopped here. We stuck on that.
So that's why it's not an a real ultimate analysis. And a real ultimate analysis, we are looking for something. We go to the final answer. We try to apprehend the emptiness, the negation. But in the morning, we stuck just on the perception on the elements. It was not a full ultimate analysis. Okay. So this morning the. Donc ce matin, quand on a vu les six éléments, est-ce que c'était une analyse conventionnelle ou une analyse ultime? C'était une analyse conventionnelle. Et maintenant, cet après-midi, on a dit, mais où d'Adjé? Et donc, lequel de ces éléments? On va dire, les six éléments sont là. Est-ce que c'est une analyse conventionnelle ou une analyse ultime? Conventionnelle? Et donc, ce que j'ai dit, c'est que parce qu'on a déjà franchi la frontière de la conventionnalité, on a déjà franchi la frontière de la conventionnalité. Et donc, l'analyse devient l'ultime. Et donc, oui, d'Adjé. Jusqu'à quel point ça devient c'est conventionnel. Et vous êtes sur votre siège, et donc là, c'est la dernière frontière de l'analyse conventionnelle. Et dès l'instant où vous allez au-delà de cette frontière, vous avez vu Dajé, vous allez plus loin, et là, vous allez dans l'analyse ultime. Et donc, vous avez aussi les éléments qui tombent dans sous la catégorie de l'analyse ultime. Alors que ce matin, quand on a dit on trouve les six éléments, on est dans les conventions, on est dans l'analyse conventionnelle. Qui peut m'aider? Ok, let's see. Yes, Jane. Et Jeanne. Quand on va chercher dans les isolés, c'est-à-dire qu'au départ, on voit la personne, et puis après, on voit qu'elle est composée d'isolats. Et si dans ces isolats, après, on ne trouve pas la personne, là, on entre dans les outils. In this case, we are looking for different isolates, and so if we pick up the isolate of the absence of the person that we are looking for, ultimately, then we are in the ultimate analysis. But if you pick up the six elements? Sorry? If you pick up the six elements? Si au contraire, on choisit l'isolat des six éléments, est-ce que c'est conventionnel ou ultime? Conventionnel. So, pick up the six elements happen. Et donc, after seeing the origin, Quand on choisit l'isolat des six éléments, ça arrive une fois qu'on a trouvé Dajé ou c'est avant? Après. Après, after. After means, or you cross the border. Donc ça veut dire qu'on a déjà franchi la frontière des conventionnalités. Before. So before. Donc c'est la question d'Anne-Sophie. Elle peut me poser des problèmes. Et maintenant, Jeanne, elle change rapidement, très facilement, avant. Basse. Le point, c'est que ce matin, ce qu'on a dit, c'est que dès l'instant où vous voyez les six éléments, que ce soit avant ou après, si vous voyez les six éléments, cela devient une analyse conventionnelle. C'est ce qu'on a dit ce matin. Et maintenant, cet après-midi, ce que j'ai dit, c'est que où est Dajé? Et là, vous êtes sur le siège ici maintenant. Et donc, ça, c'est la frontière des conventionnalités. Dès l'instant où vous franchissez cela, vous allez dans l'analyse ultime. Et donc, vous voyez les six éléments, etc. Et donc, vous êtes déjà dans le domaine de l'analyse ultime. Et donc, c'est l'analyse conventionnelle ou l'analyse ultime? C'est la question d'Anne-Sophie. Marie. Nous avons dit ce matin que les éléments sont des phénomènes positifs et que dans la vacuité, la vacuité n'est qu'un phénomène négatif. Donc, si on a les éléments, ça veut dire qu'il y a encore cette partie positive et ce n'est pas encore la vacuité. Et si on les enlève les éléments, donc on devient un phénomène négatif dont on aura la vacuité des éléments et celui du jeu. Mm. So, if we we have seen that emptiness is a negative phenomenon and the elements are positive phenomena. So if we apprehend the positive phenomena, we are not in the ultimate analysis. If we further check the elements themselves, or if we apprehend the absence of the self ultimately, then we have the mere negation. Then in this case, we have the ultimate analysis.
La réponse de Marie et celle de Jeanne sont similaires. Et tout un coup, il y a là. I'm not sure, but maybe this morning one analysis was done only from your own perspective. And this afternoon, the one analysis was done by outsiders, and the other analysis, the other analysis was done by you. Donc on vous me demandez où est Dorje. Et donc de ton point de vue à toi, c'est toi qui te poses la question où est Dorje. Et après avoir vu Dorje, tu continues à poser la question où est Dorje. Est-ce que c'est le corps, l'esprit, où est Dorje véritablement? Et donc là, on a déjà franchi la frontière des conventionnalités. Et donc cela tombe dans la catégorie de l'analyse ultime. Et donc c'est vis-à-vis seulement de par rapport à une personne. Sophie n'est pas facile à satisfaire. So the the six elements are according to you. So this the thing is convention to is, you know, as long as you see something, there is convention. So no matter how far you go, if you see something, this is convention. The emptiness, just you cannot see anything. Ok, tu as chez la main. Moi, je suis content avec toi parce que tu me défends, mais Anne-Sophie, je ne sais pas si elle est contente ou pas. Une dernière chance. Donc c'est une analyse conventionnelle. Donc ça c'est très bon, mais tu n'as pas touché la question d'Anne-Sophie. Donc la question donnée par la réponse donnée par Marie et Jeanne. Et donc les deux vos réponses vont au même point. maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? La stress, dernière chose. When I'm meditating emptiness, then my friends is observing me. Yes. So the answer when I'm experiencing emptiness, but I can see myself, right? Yes, yes. He's the one who's observing you. Yeah. Patrick is seeing you. Et donc, par exemple, ce que Patrick te verrait toi en train de méditer. Yes. For him, it's a convention. Self, conventional self. Yes. Even the six elements. Right? Yes, yes. So when you see the six elements. Et quand tu vois les six éléments, et donc là, tu es dans l'analyse conventionnelle. Ce matin, c'est ce qu'on a dit ce matin. Okay. Okay. La dernière chance, Katia. En fait, si on veut méditer sur la vacuité au départ, il faut décider de méditer sur la vacuité. Donc, il faut déjà mettre dans la tête qu'on va chercher quelque chose dans les éléments. Et donc, il faut connaître, savoir, enfin, il faut savoir, il faut se préparer à savoir ce qu'on va avoir dans le déroulé de sa méditation. Sinon, on ne peut pas faire 36 choses à la fois. Si on se pose la question si on est dans le conventionnel ou dans l'ultime, c'est après, quand on est sorti de la méditation, on se pose la question si on a réussi ce qu'on voulait faire avant ou pas. C'est ça.
So when we are doing this ultimate analysis, first we know what we are looking for. We are looking for some objectively existing self, the object of negation. So that's what we have in mind when we are looking for the self among the elements like this. It's not the elements that we are looking for. We are looking for the self among the elements and so on. Then after, when we go out of the meditation, then we know if it was conventional or ultimate because of that previously decided object of negation that we were looking for. Okay, so the question is. Donc il semble que la question soit toujours. Donc on est toujours été au-delà de la frontière des conventionnalités, et donc on a trouvé des éléments et on a dit ce matin non, c'est l'analyse conventionnelle. Et donc c'est une contradiction. Et donc est-ce qu'on peut la résoudre, cette contradiction? Yes. So then you ask the second question, or your conclusion will be, okay, there is the self, it's not there, and that makes it the ultimate analysis. But that's the ultimate analysis. Yeah. Okay. So it's all possible. Okay, so in the first place... Donc, d'abord, il faut que la question soit claire. Il faut aller voir, se tourner vers Anne-Sophie. Et si elle sourit, c'est que ça répond un petit peu à sa question, sinon cela ne répond pas. Donc je suis d'accord avec ce que dit Franck, mais la question c'est que si on franchit la frontière des conventionnalités, si on dit que on peut, on est, avant qu'on ne franchisse cette frontière, on est dans le domaine des conventionnalités, et une fois qu'on franchit cette frontière, on voit les éléments, mais c'est après avoir franchi. Et donc, comment le résoudre? Qui d'autre? Qui de nous? Charles. Quand on franchit la frontière, on va commencer à... sentir la vacuité et notre conscience qui devient de plus en plus subtile. Et on voit de moins en moins quelque chose de substantiel. Et quand on va jusqu'au bout, je crois que c'est là qu'on va atteindre la vacuité ultime et la conscience de plus subtile. So when we cross the border of the conventionalities, our mind and the object become more and more subtle until we find the most subtle ones, which is emptiness. C'est ça? Oui. Et quand on a franchi la frontière des conventionnalités, on a trouvé les éléments, les six éléments. Et donc, on a vu est-ce que cet esprit qui voit ces éléments, est-ce que c'est une analyse conventionnelle ou ultime? La dernière, Thomas. C'est intéressant, parce que c'est une question à Sophie. Donc ce matin on a trouvé quelque chose et cet après-midi on n'a rien trouvé. C'est intéressant. Marie. Je crois qu'il faut enlever les six éléments. Non, il ne faut pas enlever.
in our ultimate analysis, we should discard the six elements. Donc on a franchi la frontière des confessionnalités et donc les six éléments sont là. Ok. Au revoir. Because my mind was still stuck on the other question, but I'm going to go try to do it anyway. I'm just wondering that, okay, so we go over as you said. Okay, but before how you answer, donc, avant de donner la réponse, j'aimerais vous poser la question. Et donc, quelle est la question de Sophie? Quelle est la question de Sophie? Avant de donner la réponse, quelle est la question de Sophie? Dame Sophie. Into this emptiness, and so we are in the ultimate analysis, because we have decided that there is no self, and then we look back at the six elements. How can we look back at the six elements from the ultimate sense? My way of trying to understand it is that once we. La question. Quelle est la question, Anne-Sophie? Before. Si on n'a pas compris la question, on ne peut pas donner de réponse. Donc c'est la question. Et c'est ce que je dis, c'est que sa question est très compliquée. Sa question est très compliquée. Sans comprendre sa question, on ne peut pas donner une réponse. Non. This is where. Okay. What should we do now? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? I would say that this morning what you said was interpretable, and this afternoon was definitive meaning. Okay. So donc ce que j'ai dit, c'est que ce qu'a dit Gisela ce matin, c'était interprétable, et cet après-midi, c'était le sens définitif. Et donc je devrais poser la question à Gisela. Est-ce que c'était interprétable ou pas? Non, c'est, tous les deux étaient définitifs. C'est garanti, les deux sont définitifs. Et donc, je vais poser la question. Et j'en vais rapporter à la question. Et Anne-Sophie, dis-moi si j'ai bien compris ta question. N'est-ce pas? Et ensuite, les autres, écoutez-moi. Et donc, si je n'ai pas eu cette bonne question, sa question correctement, eh bien, vous allez encore la poser. On va la poser à nouveau. C'est que ce matin, ce qu'on a appris, c'est que quand vous voyez les six éléments, l'esprit qui perçoit les six éléments, ce n'est pas une méditation sur la vacuité. Ce n'était pas une méditation analytique, c'était une analyse conventionnelle. C'est correct? Très bien. La seconde partie. Cet après-midi, ce que j'ai dit, c'est que quand vous cherchez Dorothée, où est-ce qu'il est dans la cuisine, dans le salon, le temple, et là, oui, il est là, dans la gompa. Et donc, ça tombe dans l'analyse conventionnelle. Et après, ce que j'ai dit, c'est qu'une fois qu'on a vu Dorothée ici, et vous continuez à poser la question, est-ce que c'est dans les six éléments, etc. Et là, vous franchissez la frontière de la conventionnalité. Et donc, vous, votre analyse devient nécessairement une analyse ultime. Et donc, vous pourriez voir les six éléments, etc. Tout cela tombe dans l'analyse ultime. Et donc, ce matin, j'ai dit que voir les six éléments, c'était une analyse conventionnelle. Et dans l'après-midi, j'ai dit que voir les six éléments, c'est toujours dans le domaine de l'analyse ultime. C'est une contradiction. C'est la question? Wow. OK, now the last. Là, la dernière. Laurent. Tu as compris la question? La différence entre le résultat et le processus. Levez vos mains. Because we were inquiring, where is Dorothée?
Dhamma is here, which means we were inquiring about what is the meaning of how should we understand which is not reality. Donc la réponse c'est très simple. Si je ne donne pas la réponse, vous ne pouvez pas pouvoir dormir ce soir. Vous allez continuer à penser. Et la réponse est très simple. Quand vous dites où est Dorje, il est là, en face de vous. Sur le siège, dans le temple. Ça, c'est l'analyse conventionnelle. Et puis, du point de vue de l'analyse conventionnelle, après avoir vu Dorje, vous vous demandez, mais oui, Dorje, vous allez franchir la frontière de la conventionnalité. C'est-à-dire que vous tombez dans le domaine de l'analyse ultime. Et donc, de l'analyse ultime, vous pouvez changer, vous pouvez aller. Ce ne veut pas dire que dès l'instant que vous allez franchir la frontière de conventionnalité, vous êtes toujours dans le domaine de l'analyse ultime. Vous franchissez et vous allez dans l'analyse ultime et à nouveau vous revenez dans la convention, dans l'analyse ultime, le conventionnel, l'ultime, c'est très facile. Et donc si vous dites que les éléments sont là, vous allez dans le domaine de l'analyse conventionnelle. N'est-ce pas? Ok. Est-ce que tu es content, Sophie? Ça répond à ta question? Si elle sourit, elle dit oui, ok, moi je suis content. Ça veut dire qu'elle a eu sa réponse. On va s'arrêter ici. Ok. Marie-Christine, la maman de Marie-Christine est décédée. Et donc, beaucoup d'entre vous savaient qu'elle avait une difficulté de santé très lourde. Elle était à l'hôpital et la nuit dernière, elle est décédée. Et donc, on peut dédier le mérite pour la maman de Marie-Christine et aussi pour que toutes les personnes qui sont dans les hôpitaux, qui sont des défunts ou qui sont sur le point de mourir. Et nous allons prier pour tous. Avec cela à l'esprit, on va aller vers les prières de 284. 284. Dans la terre pure de Tibet, entourée de montagnes enneigées, vous êtes la source de tout bienfait, de toute joie. Ô Tanzingatsov, à l'occasion de cheval en personne, puissiez-vous demeurer jusqu'à la fin du samsara. Avec la sagesse de la cité du Ramajushri, à l'instar de Samantabhadra, afin de m'entraîner à suivre leur exemple, je dédie pleinement toutes ces vertus. Je dédie toutes ces racines de vertus avec la dédicace acclamée comme étant la meilleure par les vainqueurs ainsi allés des trois temps, afin que je puisse accomplir de bonnes activités. Puisse le précieux esprit d'éveil naître là où il n'est pas né, et là où il est né, puisse-t-il ne pas décliner mais toujours se répandre. Tant que demeurera l'espace, tant que des rangs en aura trace, puisse-je moi aussi rester pour leur souffrance se dissiper. Par les mérites issus de ces actions vertueuses, puisse-je atteindre rapidement l'état de Guru Buddha et mener tous les êtres sans exception vers cet état éveillé. Je dédie les mérites ainsi accumulés à la réalisation des activités, des prières des Buddha et des Bodhisattvas des trois temps et au maintien du Dharma des écritures et des réalisations. Puissais-je au cours de toutes mes existences, par la force de ces mérites, n'être jamais séparé des quatre cycles du Mahayana, et puissais-je accomplir toutes les étapes de la voie, le renoncement, Bodhisattva, la vie parfaite et les deux phases. Avec le souhait de libérer tous les êtres, je prendrai toujours refuge jusqu'au cœur de l'éveil, en le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Inspiré par la sagesse et la compassion, aujourd'hui, en la présence du Bouddha, je génère l'esprit d'éveil pour le bien de tous les êtres. Je prends refuge dans les trois joyaux, je confesse toutes mes négativités individuellement, je me réjouis des vertus de tous les êtres et je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Vous qui clarifiez toujours plus la voie unissant vacuité et compassion, ô protecteur du Dharma et des êtres du pays des neiges, Tanzingatsu, je prie pour que vos souhaits s'accomplissent spontanément.
puissent les opérations des pensées et actions malsaines des forces malignes, humaines et non humaines, qui prennent une apparence malveillante à cause de prières pervertives faites à l'encontre du Bouddha Dharma, être totalement vaincu par le pouvoir de vérité des trois joyaux. Puissais-je au cours de toutes mes existences n'être jamais séparé de mon parfait maître, bénéficier de la magnificence du Dharma, et après avoir parachevé les qualités des terres et des chemins, puissais-je atteindre l'état, rapidement l'état de Vajradhara. Au cours de toutes mes existences à venir, puissais-je être guidé par Arya Manjushri, être capable, même au prix de ma vie, de détenir le Dharma en général et les enseignements sur la terre dépendance en particulier. On va aller aux récitations de mantras. Page 51. On va réciter le mantra de Bouddha Shakyamuni et puis le mantra de Bouddha de médecine. Om Muni Mahamuni Swaha. Om Muni 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 Muni Mahamuni Swaha. Le mantra court, c'est-à-dire Bejaje Bejaje Mahabejaje Bejaje Raja Samudgate Swaha. Tadata Om Bejaje Bejaje Mahabejaje Bejaje Raja Samudgate Swaha. Tadyata Om Vishaje Vishaje Maha Vishaje Vishaje Raja Samudgate Swaha. Et donc on va réciter plus de mantras. Et vous allez visualiser le Bouddha Shakyamuni dans la forme de, sous la forme du Bouddha de médecine qui envoie des nectars de lumière qui vers la mère de Marie-Christine et puis qui va toutes les personnes qui sont malades et toutes qui sont dans les hôpitaux et toutes les personnes qui ont l'attitude égocentrique et la saisie du soi, que tous leurs problèmes soient éliminés et purifiés. Et pendant que nous récitons, nous faisons la visualisation. Bejaje, bejaje, maha bejaje, rajase, rajasamungate soha. Teata, om, bejaje, bejaje, maha bejaje, bejaje, rajasamungate soha. Teata, om, bejaje, bejaje, maha bejaje, bejaje, rajasamungate soha. Tayata Om Devaje Devaje Maha Devaje Devaje Raja Samugate Swaha. Tayata Om Devaje Devaje Maha Devaje Devaje Raja Samugate Swaha. Tayata Om Devaje Devaje Maha Devaje Devaje Raja Samugate Swaha. Teata Om Vishaje Vishaje Maha Vishaje Vishaje Raja Samugate Swaha. Teata Om Vishaje Vishaje Maha Vishaje Vishaje Raja Samugate Swaha. Teata Om Vishaje Vishaje Maha Vishaje Vishaje Raja Samugate Swaha. Teata Om Vishaje Vishaje Maha Vishaje Vishaje Raja Samugate Swaha. Teata Om Vishaje Vishaje Maha Vishaje Vishaje Raja Samugate Swaha. Teata Om Vishaje Vishaje Maha Vishaje Vishaje Raja Samugate Swaha. Teata Om Vishaje Vishaje Maha Vishaje Vishaje Raja Samugate Swaha. Teata Om
Page 49 pour les dédicaces. Pas juste avant. Et donc, n'oubliez pas donc, la maman de Christine. Et pour qu'elle ait une bonne renaissance. Pour que la maman de Marie-Christine ait une bonne renaissance. Et que toutes ces conditions favorables pour la pratique du dharma, qu'elle puisse rencontrer la sagesse, la vacuité et de la compassion. Et que toutes les personnes. Qui sont sur le dernier jour de leur existence et qui sont sur le point de mourir. Et puis, on peut penser à tous nos parents qui sont décédés, vos parents, vos enfants, toutes les personnes qui sont décédées, et prier pour qu'ils réalisent tous la sagesse de la vacuité et qu'ils deviennent, eux, la lumière d'inspiration pour un nombre infini d'êtres, pour le bonheur infini, pour le bien de tous les êtres. Je dédie les mérites ainsi qu'à la réalisation des activités des prières des Bouddhas, des Bodhisattvas, des trois temps et au maintien du Dharma, des écritures et de réalisation. Puisse-je au cours de toutes mes existences, par la force de ces mérites, n'être jamais séparé des quatre cycles du Mahayana. Et puis-je accomplir toutes les étapes de la voie, le renoncement, bodhicitta, la vie parfaite et les deux phases. Par les deux accumulations si vastes que l'espace que j'ai amassé du fait de m'être efforcé d'être effectué cette pratique pendant longtemps, puisse-je devenir un victorieux Bouddha qui guide tous ceux dont l'esprit de sagesse est aveuglé par l'ignorance. Trois prostrations.